DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Toujours une équipe qui n'est pas compétition ne peut pas s'exprimer comme on l'attend. C'est difficile. L'équipe de Wydad est en train de jouer les championnats, la Coupe d'Afrique. Ils viennent de la Coupe du Monde. Donc, ils ont la compétition dans les jambes. Nous, c'était le contraire. On a essayé. Avec tout ce qui s'est passé sur le terrain, voilà, on est tombé sur le score de 1-0. Mais il y a beaucoup de ces joueurs qu'on a fait monter à la dernière minute. Il y a ceux-là qui ne savent même pas entraîner avec nous. On ne pouvait pas donner la priorité aux gens qui ne s'entraînent pas avec nous. Et on a préféré qu'ils étaient sur le banc et donner la chance à ceux qui étaient avec nous aux entraînements. On a tenté le tout pour le tout. On a dit jouer sans ailier et on voulait essayer d'égaliser. Mais on avait suivi le match. Je ne vais pas pernicher dire qu'on a mal officié le match. On a tendance à dire que je me plains toujours, mais vous avez vécu le match. Bon, il y a certains joueurs qui n'ont pas pris le match ici, qui n'ont pas joué plus tôt, qui n'ont pas pris part à ce match. C'est là où ça fait partie de nos handicaps. Le match retour contre Wydad, je crois qu'on va les jouer à Brazzaville. On a vu l'équipe de Wydad, on a appris beaucoup d'enseignements plutôt sur cette équipe. Je crois qu'on a la possibilité de récupérer les 3 points chez notre domicile. Si, là, on ne peut pas se décourager, on ne peut pas désespérer. L'espoir, c'est encore possible. On va jouer JSK le 18, on va jouer à domicile le WAC. Et le dernier match, on va aller jouer au Luanda. Tout a marché, je peux dire, mais le seul point noir, c'est le but qu'on prend. La manière qu'on le prend, ça fait très mal à la tête, mais bon, c'est pas grave. C'est le football, il faut déjà oublier cette défaite et se reconcentrer déjà sur le prochain match. On doit aller à JSK, ça sera un match aussi difficile. Il faut qu'on le prépare mentalement costaud, il faut qu'on soit très costaud. Non, c'est pas que je ne dirige pas la défense. En fait chacun connaît sa tâche dans cette défense et avec un stade aussi chaud, c'est difficile de se faire entendre. Le stade est chaud, bouillant, c'est compliqué. Même quand je parle à la défense, personne n'entend. Donc du coup, on est obligé d'utiliser le langage ici. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Allez, le travail, hein, juste le travail. Rien que le travail qui paye. Hein. Donc on travaille dur, je travaille dur pour mériter ma place. Et donc voilà, c'est les bons résultats qui suivent. Bon, moi je dirais ça marche, parce que gagner un match, donc c'est positif. Mais pour moi, chaque entraîneur a sa philosophie. On a trouvé notre entraîneur, celui qui a gagné la Champions League n'est pas là, il est avec l'équipe nationale. Et maintenant, on a eu beaucoup d'occasions aujourd'hui, et malheureusement, on a marqué que là. Voilà, donc je dirais on va continuer à travailler. Il y a des joueurs, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent en puissance. Il y a Kombora qui vient d'arriver, c'est un jeune qui monte en puissance. Donc voilà, c'est une nouvelle équipe. Ce n'est pas à 100% l'équipe qui a joué la saison passée. Donc voilà, nous continuons toujours à travailler pour retrouver nos automatismes. Bon, ils se sont battus, ça n'a pas été facile. Pour gagner un match, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de détermination. Donc voilà, on a joué à domicile, on était obligé de gagner. Donc voilà, mais Vita a fait l'essentiel. Il a essayé, il a poussé, il a montré qu'il était capable de pouvoir défendre son image. Donc voilà, je dirais, pour moi, je reconnais au moins quelques joueurs qui ont joué avec... j'ai joué contre le TP quand j'étais encore au TP. C'est une nouvelle formation qui arrive, qui a les atouts, donc il y a de la qualité. Donc voilà, c'est à eux maintenant de prendre les choses en main et continuer à travailler pour espérer faire avancer l'équipe.
Bon, il y a un programme bien tracé avec le staff. Et donc je suis tout le programme du club et je travaille encore personnellement pour améliorer mes défauts et mes horaires. Donc voilà, comme on vient de jouer aujourd'hui, donc je dois rentrer chez moi à la maison, revoir encore le match et voir ce qui n'a pas marché et ce que je pouvais encore mieux améliorer et pour être meilleur dans les jours à venir. C'est une victoire méritée. Il faut aussi reconnaître la valeur de l'équipe quand elle gagne. On n'est pas là seulement pour jeter de la salive dans la soupe. Mais moi, je crois que franchement, il faut dire félicitations aux gars d'avoir mouillé le maillot. Et je dis encore une fois de plus, merci à l'ensemble de la famille Sainte-Éloi de Popo qui unit comme un seul homme au coude à coude. Tout le monde a poussé l'équipe. C'est de la presse, le public, les athlètes aussi, ils ont vraiment bien entendu le message et ils ont voulu faire plaisir à leur famille aujourd'hui et je crois qu'ils ont mouillé le maillot très sincèrement. Mais aussi, je vous avais aussi dit que l'autre jour, un point très précis, j'ai dit que la technique ou la tactique passe sur des êtres frais. Il faut être frais de corps et d'esprit. Vous savez, naturellement, dans le jargon journalistique, on parle souvent de système, mais nous, les entraîneurs de football, ce qui importe pour nous, c'est plutôt l'animation de jeu. Et un système, c'est du blablabla, mais c'est pour remplir un peu le jargon journalistique. Ça fait plaisir aux gens de parler de 4-4-2, 5-3, que sais-je encore. Mais tout ça, c'est du bluff. La réalité du jeu, c'est l'animation du jeu. Et ce sont les animateurs sur le terrain, c'est ça le plus important. Donc pour moi, les animateurs aujourd'hui, ils étaient frais, comme je l'ai dit, par rapport à tous les deux autres matchs que nous avons joués. Et ils étaient dans les meilleures dispositions psychologiques pour pouvoir non seulement appréhender le plan tactique du coach, mais le mettre aussi en application, ce que j'appelle un transfert dans le jeu. C'est ce qui est arrivé, je dis encore une fois de plus, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, ils ont tenu leur rang. Je dis encore félicitations. Et moi, je ne doutais pas, parce que je vous avais dit lors de la conférence passée, que la marge de progression de l'équipe, elle est visible. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train de rentrer dans la compétition, parce que nous sommes en manque de compétition, qu'on le veuille ou pas, ça, c'est un facteur déterminant. Si on a vu l'amélioration à partir du premier match, deuxième match, il y a eu du mieux. Troisième match, il y a vraiment du mieux. Donc, nous osons croire que cette progression sera continue. Attention, à moins qu'encore qu'il y ait des bisbilles. Il est pas mal au banal et